Le peuple algérien a été échaudé par le terrorisme des années 90 et le régime en place joue de ce traumatisme en faisant croire à ce peuple qu'il n'y a pas d'alternative à M. Bouteflika. C'est soit le statu quo, soit le retour à la terreur et au chaos. Donc c'est un chantage que le peuple algérien subit, alors que, objectivement, si M. Bouteflika meurt ce soir ou demain, il faudra bien qu'on trouve un candidat ou des candidats qui concourront à la conquête du pouvoir par des voies électorales. Mais pour le moment, la visibilité n'existe pas. Ces gens-là naviguent à vue et ce qu'ils veulent, c'est uniquement durer le plus longtemps possible aux commandes de l'Algérie parce qu'ils y ont des intérêts considérables en se servant de Bouteflika et de son image d'homme issu de la révolution et ils gagnent du temps. C'est tout ce qu'ils font. Mais les problèmes politiques, économiques et sociaux de l'Algérie sont intacts, qu'ils se présentent ou qu'ils ne se présentent pas.